Le réveil de la force. Comment l'inconnue Desiri Ridley est devenue l'héroïne de la nouvelle trilogie Star Wars Outm, inconnue il y a encore 3 ans. Desiri Ridley est devenue une star grâce à Rey, le personnage principal de l'épisode 7 de la saga Star Wars, Le réveil de la force, diffusé dimanche soir sur TF1. LCI l'a rencontrée à l'occasion de l'avant-première londonienne du dernier épisode Les Derniers Jedi, en décembre dernier. Le 29 avril 2014, lorsque Disney dévoile une photo du réalisateur J.J. Abrams en pleine séance de lecture, avec le casting de l'épisode 7 de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force, personne n'a jamais entendu parler de Daisy Ridley. En tapant son nom dans Google, il était même impossible de trouver un cliché en bonne définition de cette comédienne anglaise, dont le CV se limitait alors à quelques épisodes de séries télé. À la sortie du film, en décembre 2015, son visage s'affiche sur les façades des cinémas du monde entier. Il faut dire qu'elle interprète le personnage principal de la nouvelle trilogie, Rey, une pieuse d'épave abandonnée enfant sur la planète Jakku. Et qui va partir à la recherche de ses origines, et de son destin, à la suite de sa rencontre fortuite avec Finn, un stormtrooper repenti. Si J.J. Abrams a fait appel à elle, c'est parce qu'il voulait retrouver la magie de la trilogie originelle. À la sortie du premier Star Wars, en 1977, Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill étaient en effet totalement inconnus du grand public. Comme eux, la jeune Anglaise triomphera d'un long et périlleux casting, devant passer pas moins de 5 auditions avant d'être choisie. Et elle ne va pas décevoir. Certains parents considèrent que Rey est un bon modèle pour leur petite fille. Ou leur petit garçon point d'exclamation Desiri Ridley, elle est entourée d'excellents comédiens masculins, comme son compatriote John Boyega, ou les Américains Oscar Isaac et Adam Driver, c'est bien elle la star du film. À tel point qu'elle sera présentée ici et là, comme une nouvelle icône féministe au royaume de l'entertainement macho. Je ressens l'amour des gens pour elle. Nous a confié Daisy Ridley, le 12 décembre dernier à Londres, dans la suite d'un palace londonien, où l'équipe d'assistants, qui la suit à la trace, va prendre soin de son look, jusqu'au moindre détail. En général, ce sont les parents qui viennent me voir pour me dire qu'ils peuvent emmener leurs enfants voir le film. Parce qu'ils considèrent que Rey est un bon modèle pour leur petite fille, ou leur petit garçon, et observent la comédienne, avec une pointe de malice. En abordant le deuxième épisode, je voulais être à la hauteur des attentes de ces gens. Parce qu'ils vous font confiance, il ne faut pas les décevoir. Voire aussi savoureux, mais un brin bourratif. Notre avis sur Les Derniers Jedi, le nouveau Star Wars déjà bien rodé à la promo hollywoodienne. La jeune femme, qui a grandi dans le quartier huppé londonien de Westminster, la joue modeste, lorsqu'on lui demande si elle avait la pression au moment d'entamer le tournage de cette super production, dont le colossal budget est jusqu'ici resté secret. Je n'étais pas sûre d'y arriver, admet-elle. Et puis on se met au boulot,
Et on se dit que les gens qui bossent sur un projet pareil sont tous là pour les bonnes raisons. Mais aussi que Rian Johnson, le réalisateur du 8e volet NDLR, sait ce qu'il fait. Au bout d'un moment, ça ne vous appartient plus. Désirée Dula n'est pas sans savoir qu'avant elle, plusieurs comédiens vedettes de Star Wars comme Jacques Lemieux, Aidan Christensen et Mark Hamill lui-même, ont eu du mal à rebondir après la saga galactique. Maline, la jeune femme n'a pas attendu pour surfer sur sa popularité naissante. En décembre dernier, en même temps que les derniers jeudis, les spectateurs français pouvaient aussi la voir dans Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh, aux côtés de Johnny Depp notamment. Voir aussi la question du jour, la saga Star Wars est-elle la franchise la plus rentable de l'histoire? Point d'interrogation. Femme pressée. Elle a aussi tourné l'été dernier Chaos Walking, un film de SF de Doliman, dont elle est la vedette, aux côtés de Tom Holland, le nouveau Spider-Man, et l'acteur danois Mads Mikkelsen. Star Wars a changé ma vie professionnellement, précise la comédienne. Ma famille, mes amis sont restés les mêmes, bien que j'en ai gagné quelques-uns, ajoute-t-elle. Et puis, je suis amenée à travailler, avec des gens très cool, sourire. Je suis bien occupée. Guillemets, après le réveil de la force, Désirée Dula a retrouvé sur le dernier jeudi, la légendaire Carrie Fisher, alias Princesse Leia, décédée en décembre 2016, quelques mois après le tournage. Le film est très émouvant à la base, observe l'actrice. Mais certains dialogues en deviennent étranges considérant ce qui s'est passé. Je crois que le film lui rend un bel hommage. Et elle est juste excellente, conclut celle qui est attendue, courant 2018, sur le tournage du troisième et dernier volet de la troisième trilogie, qui sera réalisé par J. J. Abraham. Jérôme Vermelin, à Londres Smith à jour, créé.